La situation économique, bien sûr, situation économique et financière. La Grande-Bretagne fait face à un déficit budgétaire de plus de 11% du produit intérieur brut. Le secteur public a atteint 50% du PIB. Le chômage, bien qu'en régression, est quand même monté à 8%, alors qu'il était à moins de 3% il y a 3 ans. La dette publique atteint plus de 1 000 milliards de sterling, et donc au moins aussi importante que celle de la France. Donc un contexte économique extrêmement difficile. Bien entendu, tout cela dans un environnement de crise financière mondiale et de reprise certaine, mais extrêmement lente, qui ne permet pas de tabler sur des recettes budgétaires venant compenser les besoins qui ont été créés par une politique du Parti travailliste ayant accentué les dépenses publiques, les dépenses sociales, ce qu'on appelle le welfare state, qui comprend l'éducation, la sécurité sociale, le National Health, qui est la médecine entièrement gratuite britannique. Tout cela est passé à près de 30% des dépenses budgétaires, c'est-à-dire une augmentation de plus de 10% en 5 ans. Donc dans ce contexte de dépenses accentuées, sociales, également pour les services publics, donc dans ce contexte de dépenses, de diminution de recettes, la marge de manœuvre des partis politiques est extrêmement restreinte. Et c'est la raison pour laquelle, dans la plupart des cas, et notamment au cours des 3 débats qui se sont déroulés, ou du moins des 2 qui ont plus particulièrement adressé la question de la politique intérieure, de la politique économique intérieure, les candidats ont évité de donner véritablement leur programme et surtout de dire comment ils escomptaient réduire ce déficit entre les recettes et les dépenses. Les grandes différences entre les partis tournent autour surtout des dépenses publiques. Donc, dans un cas, le Parti travailliste entend maintenir le niveau des dépenses publiques et ne pas renier sur un certain nombre d'avantages et de concessions qu'ils ont offertes ces dernières années. Et donc un rôle de l'État toujours extrêmement important, voire grandissant. Et ce qui ne s'est évidemment pas, ce qui n'a pas été changé, bien entendu, avec la crise, où on a vu que l'État était obligé d'intervenir en dehors même du côté social, mais pour résoudre la crise financière et la crise économique. Tandis que pour ce qui est de David Cameron, il entend au contraire réduire, c'est le leitmotiv du Parti conservateur, réduire l'importance de l'État. Et remplacer un certain nombre d'acteurs publics ou semi-publics par des initiatives individuelles. C'est ainsi, par exemple, fait marquant que pour les écoles, David Cameron propose, et dès le lendemain de son élection, s'il était élu premier ministre, s'il devenait premier ministre, de permettre à des individus, vous et moi, d'ouvrir des écoles en Grande-Bretagne, sans que ça dépende pour autant du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, c'est avec environ. En ce qui concerne Nick Clegg, il lui joue plutôt sur la taxation, enfin sur le fisc, pardon, sur la fiscalité, et estime qu'il faut faire une relance par la demande, et par conséquent, ne pas taxer les plus petits salaires, disons, pour être tout à fait précis, à 10 000 livres, les gens gagnant 10 000 livres par an, ce qui évidemment est très peu, donc de supprimer tout impôt sur ces contribuables. Donc ce sera donc un mélange de diminution de dépenses publiques et d'augmentation de recettes fiscales qui sont les clés des 3 partis. La seule chose qui les différencie, c'est le pourcentage dans lequel
par lequel ce sera fait. C'est-à-dire qu'on peut dire par exemple que pour les conservateurs, c'est 80% de réduction des dépenses étatiques et 20% d'augmentation des recettes fiscales, tandis que pour les travaillistes, c'est plutôt l'inverse. Il y a certainement des augmentations d'impôts, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, et il n'y aura vraisemblablement pas de diminution des dépenses étatiques. En politique étrangère, il est clair qu'il va y avoir, entre les travaillistes et les conservateurs, il y a peu de différences, sauf en ce qui concerne peut-être l'Europe. Il y a peu de différences parce qu'il y a maintien des troupes en Afghanistan, tant que les États-Unis y seront. Il y a peu de différence parce que le grand allié, c'est les États-Unis, et ça ne changera pas. Au plan multilatéral, l'OTAN reste le fondement de la politique de sécuritaire de la Grande-Bretagne. Donc de ce point de vue-là, ça ne changera pas. Du point de vue européen, il est vraisemblable qu'aujourd'hui, le discours conservateur très eurosceptique, voire europhobe, sera sans doute, adouci une fois les conservateurs, à supposer que les conservateurs gagnent, une fois les conservateurs au pouvoir. Donc de ce point de vue-là, pas énormément de différence. Du point de vue de l'Europe, oui, une différence, quand même avec notamment les libéraux, qui sont beaucoup plus pro-européens que ne le sont les travaillistes et évidemment les conservateurs, le tout étant favorable à une coopération accrue et rénovée et renouvelée avec la France. Du moins, c'est ce que les trois partis affichent dans leur discours officiel et officieux.